Tac, tac, tac. Hop, moi j'ai F5 aussi. Tac, désolé pour la déco. Hop, on est parti. Allez, pour ce dernier match. Ma connexion est fatiguée. Tout le monde est parti. Ah, 2 minutes de coupure, c'est pas grave. Damon Kane avec l'OM. Octobre, novembre, décembre, janvier invaincu. Putain. Ah, les gens ont des très 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 bons résultats. C'est très intéressant. Ouais, ma connexion m'a dit écoute là Thomas, on va pas faire des streams, tu vas pas faire encore un stream de 10h ou 6h, moi je suis crevé. Hein. Ah, effectivement, la connexion qui me rappelle à l'ordre. Elle a coupé à 2h30 pile poil, donc je pense qu'il devait peut-être y avoir une petite coupure, une petite mise à jour prévue, peut-être. Peut-être, je ne m'y connais absolument pas en informatique, je ne pourrais pas vous dire. Désolé pour la micro-coupure, les gars. Je me suis dit, oh, est-ce que je rallume le stream ou pas? Je me suis dit, ouais, bon, allez. Respecte-les, ces gens-là. Il est 2h30 du matin. Vous étiez une quarantaine, je crois, trentaine, quarantaine. Je suis très content qu'il y ait du monde à ce. Enfin, du monde. Pour moi, c'est du monde. Hein. À cette heure-ci, j'ai pas envie de te faire jouer. Fais voir à la place de Sensi en MJR soutien. T'as pas un profil de boxe ou boxe? T'es pas aussi complet qu'un Vecino. Fais voir si tu participes un peu plus au jeu, mon cher bro, mon bro. Allez, rentrer en jeu de Brozovic. Seul, bien. Axe. Repars dans l'axe, tu vas t'isoler. Et ouais, Babacar qui fait un bon tacle. On obtient le corner. Ouais, il est très beau le but en plus, je te le remets après. Je vous le remets après. Ouais, non, franchement, Day One Kane, des beaux résultats. Vous avez tous des beaux résultats. Les résultats de Jomo sont très propres. Tes résultats sont très propres. Franchement, je pense que ce. Alors attention, hein. Alors, on est tous avec des grosses équipes. Marseille, Atlético, moi avec l'Inter. Bon, la Juve est intouchable. Toi, je vois que t'es pas premier, Damon Kane, en faisant 4 mois sans défaite. Le PSG est quasiment imbougeable. Donc, on est tous dans des bonnes positions, mais c'est vrai que c'est. Mais moi, ça me va. Enfin, t'as des bons résultats, les autres ont des bons résultats. Tu te prends des buts cheatés, les autres se prennent des buts cheatés. Ça paraît plus équilibré. Ça paraît plus équilibré. Hors jeu, hors jeu, hors jeu, hors jeu. Hors jeu. J'ai fait mes 3 changements. Bon, j'ai plus rien à faire du coup. 20 victoires, 2 nuls. Ouais, bah c'est. Malheureusement, pour cette saison actuelle, je ne peux pas dire c'est réaliste. Mais je trouve que c'est réaliste dans Football Manager. Donc, enfin, le mot réaliste n'est pas adapté du coup. Le dernier but, donc c'est pas le penalty, c'est celui-là. Vous allez voir Sanda Samora, déviation de Lukaku, et hop, Lautaro au deuxième poteau. Lautaro me fait du beaucoup mieux, ouais. Je suis très 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 content de Lautaro Martinez. Je suis très content d'avoir offert un contrat, réoffert un contrat. Ouais, franchement, la grosse déception, allez, c'est Lukaku. Et ce qui est marrant, c'est que sur FM19, j'ai créé la tactique et j'ai simulé une saison, c'est Lukaku qui était à 32 buts. Et pas Lautaro. Et avec un pivot, un attaquant avancé. Et là, Lautaro, un attaquant avancé, me fait une super saison. Et Lukaku, je dis pas là, il a marqué un but, il fait une passe D. Il fait un très bon match d'ailleurs en attaquant complet. Fais voir à quel point. Un but, une passe D, 9,3. Donc, il fait un très bon match. Ça.
Avec Montpellier, Laborde en attaquant en retrait, soutien, et Andy Delors en attaquant avancé d'ailleurs. Si je me souviens bien. On gagne 5-0 chez le dernier. Ça, sur FM19, c'était le match où on se disait, ah, je joue contre le dernier, ça va être trop dur. Et là, maintenant, bon. Intéressant. Lautaro Martinez, 20 matchs, 16 buts. Ouais, bon, en même temps, le quadruplé remonte bien ses notes. Hein. Et ils font du, ça fait du bien, ça. Et ouais, il vient frapper à la porte des grands. Asamoah est bien. Penalty. On a eu obtenu beaucoup de penalty. En même temps, on joue avec des latéraux qui mettent beaucoup le ballon dans la surface. Vraiment beaucoup. Voilà, typiquement. Les deux latéraux droits sont les deux plus gros machines à kilomètres. Plus grosses machines à kilomètres. Alors là, c'est potentiellement cheaté. Vous vous rendez compte de la différence là? C'est énorme. C'est énorme. Cristiano a fait 117 têtes clés. En 26 matchs. Quatre virgule cinq têtes clés par match. C'est cheaté. En sachant qu'il a mis 18 buts entre-temps. Bon, après, c'est Cristiano Ronaldo, certains diront. Oui, je vous entends. Mais il le fait jouer quoi? Bah, pif, bah, complet. Mais complet, je suis con. Vache! L'écart avec le deuxième. Je suis choqué. C'est mon choix. Many peace. Merci pour le follow, bienvenue. Ouais, faut voir comment ça tourne pour l'affaire avec André Gomez. Bordeaux était dernier chez moi. J'ai cru que j'allais les prendre. Aïe, aïe, aïe. Bon, t'as quand même pris le syndrome du dernier. En même temps, malheureusement, dans la réalité, Bordeaux n'a plus perdu face à Marseille depuis très 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 longtemps. Mais bon, en même temps, l'année dernière, on fait une série de 12 matchs sans victoire d'affilée. Avec Bordeaux, enfin, dans la réalité, Bordeaux fait 12 matchs sans victoire d'affilée. La seule victoire qui permet de casser cette série, c'est la victoire face à Marseille, quand même. Donc, malheureusement, Damon Kane, il y a un côté réaliste, entre guillemets. Voilà, c'est violent. Chiesa est monstrueux. Chiesa est monstrueux. Il est. Alors, il s'est calmé de ouf. Hein. Il était à 10 matchs, 9 buts, 8 passes D avant sa blessure. 8-0, 8-10 de moyenne à peu près, je crois. Je me souviens, ça m'a traumatisé. 10 matchs, 9 buts, 8 passes D, il avait. Il devait être sur 100% des buts de la FIO. 10 matchs, 17 buts, c'est pas irréaliste. Oui, ça va être à peu près ça, presque 100%. Ouais, par contre, Damon Kane, j'ai quand même retenu que Lukaku, principalement en pivot soutien dans cette tactique, a fait 75 têtes clés. Ce qui est pas mal. Donc Chiesa est très très fort. J'aimerais beaucoup le tester. Ça sera sûrement pas avec l'Inter par rapport à son rôle. Et je veux pas le mettre en attaque. Donc c'est dommage. Par contre, je suis très content de voir ça. Parce que je récupère Dalbert et reviens au club la saison prochaine. Ça c'est cool. Ça, je suis très content de voir ça. Je suis très très content de voir Lazzaro ici. Ça, on n'a personne parce qu'on n'est pas une équipe qui est trop 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 emmerdée. Les clean sheets, Handanovic est le deuxième meilleur gardien de Serie A. 9 buts encaissés au total sur la saison, avec un total de 16 clean sheets. Ah, le micro-casque. Le câble du micro, pardon.
Je commence à être très fatigué là. Bon, en même temps, j'avais dit que je faisais un dernier match et je l'ai fait. Et voilà, voilà pourquoi j'aime beaucoup Barella. Je pensais pas. Il a fait 40 passes clés sur la saison. Paul Lirola est... Putain, Paul Lirola, premier. À 22 ans. Les jeunes. Marco Rogue. Il y a des joueurs très, très, très stylés. Attends. Ceux qui font des passes clés, généralement, sont des joueurs stylés. Ceux qui font. Et le pourcentage de tirs cadrés, on n'est pas là, ça ne m'étonne pas trop. C'est pas grave. Okaka, quand même, qui a un ratio de tirs cadrés de 73%. Pas mal. Et Martinez, un but tous les 103 minutes. Presque un but par match. Eh bien voilà. On va faire un petit tour des stats rapidement aussi de mon équipe. Qui c'est qui a joué à peu près tout? Skriniar. Skriniar est un monstre. Mais ça, c'est marqué dessus. Hein. Globalement, je suis pas un expert quand je dis ça. Je pense que je vais être emmerdé au mercato d'hiver, au mercato d'été. Mais vraiment. Là, ça va lâcher des thunes. Hein. C'est évident. C'est un des meilleurs. Si ce n'est le. Il y a quoi? Il y a Koulibaly. Qui va être Van Dijk est intransférable. Koulibaly et Skriniar sont des transférables de niveau. Enfin, c'est un monstre. Il est un cran en dessous. Alors, dans la réalité, je pense qu'il est un bon cran en dessous de Koulibaly. Moi, j'aime vraiment beaucoup Koulibaly. Mais dans le jeu, il a l'âge parfait. Enfin, il est abordable, entre guillemets. Salaire pas énorme. Enfin, pour les meilleures écuries du monde, je pense qu'il est abordable. Et moi, dans le jeu, je l'ai trouvé impeccable. Très fort. De Vrij, il a eu une baisse de régime. Ça va mieux. Mais là, il a eu une sacrée baisse de régime. Tout février, il n'aime pas l'hiver, je pense. Ça va un peu mieux là. Ça va un peu mieux. Bon, contre Lecce et l'Aspal en même temps. Handanovic, très très fort. Lukaku, qui a beaucoup joué, c'est vrai. On est en train de lui retrouver un autre rôle. Et il passe de 6-6-6. Même en ayant fait 6-7 contre l'Aspal, il fait un 9,3 contre Lecce. Espérons que face à Manchester City, lui, l'ex de United, fasse quelque chose. Sensi. Alors je vais trier par but. Martinez, notre meilleur buteur, devant Lukaku. Alors Sanchez est mon super sub, même dans les statistiques, on sait très bien. La famille des Mezzala, meneur de jeu avancé qui est bien passé. Placé, pardon. Sensi aussi. Box to box maintenant, Vecino. Ok. Meilleur passeur du club, Asamoah. C'est assez bien réparti. Les MC, les latéraux, globalement. Et un petit peu les buteurs entre eux. Les meilleures notes moyennes de l'équipe sont Ranocchia, 7,50. Ranocchia, mais je suis le pire des connards. J'aurais dû peut-être le faire jouer un peu plus en concurrence avec Godin, qui m'a un peu déçu parce qu'on n'en parle pas depuis le début dans toutes les stats et tout. Godin m'a un peu déçu. Il y a, mais bon. À voir. Barella qui est là. J'aime beaucoup Barella. C'est la tempête encore dehors. Barella, c'est moi mon joueur préféré de cette équipe d'Inter. Très très impatient de la deuxième saison parce qu'il va jouer beaucoup. Il a des stats vraiment très très intéressantes. Vraiment de Mezzala pur. Hein. Vraiment en Mezzala, pas en box-to-box, écoutez pas le jeu. Mais en Mezzala, c'est 15-14, 15-15-15-14, 15-15-15-14, 15-15-15-14, 15. Super titre, j'adore cette chanson. C'est vraiment un monstre. Vraiment un gros gros monstre. Et puis bah dans le top 5, top 6 du plus grand nombre de passes clés de Serie A, donc un vrai impact dans le jeu en plus de ça. J'aime beaucoup Barella, vraiment beaucoup beaucoup. Asamoah que du coup je vais essayer de garder la saison prochaine. On va essayer de foutre un gros concurrent. Mais 7,41, c'est une très très belle année pour lui, à 31 piges. Lautaro qui est mon meilleur buteur, bon ça pas besoin de trop m'étaler, attaquant avancé, classique, enfin tout est classique, mais il répond bien. Une période de creux en début je crois.
Septembre ou octobre, il fait un des deux mauvais mois, il me semble. Alexis Sanchez, très bon super sub. Lukaku, mieux peut-être avec son nouveau rôle. Lazaro, très bonne surprise. J'avais peur de me chier en vendant Candreva au final, pas mal. Et ben voilà, c'est là où quand même je peux retrouver Godin. C'est mon meilleur défenseur central en termes de notes moyennes. Si on oublie Ranocchia. Bon, bah ça va, je me trompe un petit peu quand même alors. Ça vaut. Sur son jeu de tête, il est impeccable, je pense. Ouais. Il fait une tête décisive, quoi. Ouais, non, il fait le taf quand même. J'ai été un peu exigeant, mais bon. 34 piges quand même. Biragi, très très bon. Très bonne surprise en fait, Biragi. Ah, il a 27 piges. Ah, il est bien, mais. Ouais, il est au maximum. Il est bien, mais entre deux. Enfin. Ouais, si, quand même. Quand même, il a fait le taf chez moi. J'ai pas fini ma saison. Enfin, il fait le taf. Deux petites secondes. Les gars, juste, je viens de voir, on est le 1er mars. C'est le match de Lecce qui vient de se terminer. Et le 7 mars, j'ai Udinese. Je vais aller jusqu'à Udinese pour voir juste un truc, si j'ai ma fournée de Regen. Comme ça, je la fais ce soir avec vous. Ça peut être cool. Il est 2h48, de toute façon, le sommeil. C'est pour les faibles. Pas le temps de dormir. L'Atalanta qui gagne. Ok. La Roma a gagné. La Lazio fait une. Attends. Milan Fio Naples. Naples a perdu. Très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Napoli commence à lâcher prise. Un vrai duel de Milan là sur les secondes places. Alors attendez le chat. Tac, tac, tac. Ensuite. Chesney, un profil abusé. J'ai pas vu ses stats. Ouais. Barella a été fort. Ouais, c'est toi qui l'as dit ou c'est Casdé qui me l'avait dit ça aussi? Godin, il va être fatigué. Ouais, un moment. Antoine Forzalazo. Salut Thomas, ça va? Ça va et toi? Peux-tu me dire que donne De Vrij dans ta partie? Ah bah merde. Je sais pas quand est-ce que tu m'as dit ton message. Tiens. Je vais aller vite fait aux toilettes. Parce que là, je me retiens depuis tout à l'heure. Je commence à voir le mec qui tremble. Je te laisse à l'écran. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite à mes yeux.
Heureux. Ah. Ouais. Ouais, je me souviens qu'il était à la radio. Ah, en plus, vous l'avez perdu en libre. Je me rappelle. Et m'excuser, j'étais parti aux commodités. Alors, allez, encore 5 petits jours. Si vous avez des questions, vous voulez voir des choses sur FM, des remarques, des idées, des choses, n'hésitez pas, je vais rester encore à 10 minutes, un quart d'heure. Tranquille, je fais pas le match. Je fais pas le match face à l'Udinese, je vais aller me coucher après. Mais bon, je reste un petit peu si vous voulez discuter, tranquille. Tranquille. Chukwueze. Vous pouvez pas jouer latéral. Transfert budget. Wage budget. Ah, genre, il y a tous les budgets transferts de tout le monde là. Je vous mets un petit article. Hop. Un petit article dans le chat. Il y a Hemscoot qui a sorti une petite liste de clubs, des principalement des gros championnats, je crois, par rapport à les budgets transferts, les budgets salariaux, les salariés, budget salariaux, budget salarial. Ouais, de tous les clubs et tout. Ça vous permet de savoir avant de commencer une partie combien de budget transfert à l'équipe. Voilà, vous avez l'article, c'est en anglais, mais c'est pas très dur à comprendre. Oh, tu prends un gros latéral droit pour la deuxième saison, Touma. Ouais. Prochain investissement. Il y a le quid de Dalbert pour la saison prochaine, qui me fait réfléchir. Je pense que Dalbert va revenir, il va être titulaire. C'est le meilleur passeur actuel de Serie A, il est en prêt à la Fiorentina, mais. Mes jeunes qui gagnent 4-0. Les U20 qui gagnent. Ah oui, du coup, 4-0, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Là, ça y est, le cerveau commence à bugger. J'aimerais juste avoir ma petite fournée de régène. Je suis fatigué, hein, vraiment, je suis fatigué. Mais j'ai envie de jouer. Mais non, après là, c'est être en stream dans cet état-là pour jouer et jouer pour jouer, c'est pas bien, c'est pas sérieux. Lui, il m'intéresse beaucoup, lui, il m'intéresse énormément, j'ai très envie de l'acheter. Mais c'est tellement le bordel, mon actualité offensive pour le moment que ce qui va tout déterminer pour l'animation offensive, c'est Icardi en fait, c'est évident. Quid du PSG qui lâche les thunes ou pas? S'il lâche les thunes, je suis blindé, je m'achète Belotti direct. Et je me retrouve avec Martinez, Belotti, Lukaku. Et après, il faudra. Et Alexis Sanchez retourne à United, je fais pas péter la clause. Et peut-être que je garde Politano. Peut-être. Et ça serait stylé de ouf. Un bon arrière droit pour le PSG en saison 2. Alors là, comme c'est sur du très très haut niveau, là faut que tu fasses, là faut que tu analyses tes concurrents. L'idéal en Europe, pardon. L'idéal, tu regardes par Ligue des Champions entre guillemets, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a été le défenseur droit, qui a finalisé la Ligue des Champions, qui a été le défenseur droit. Et là, c'est maintenant qu'enfin, j'ai pas trop l'habitude de jouer avec vraiment le top 5 européen. L'Inter est pas très loin, mais
En termes de réputation et d'argent, t'es le PSG, donc t'es au même échelle que Liverpool, Juventus, Manchester City, Real, Barça, Bayern. Ces gens-là. À mes yeux, faut piquer un petit peu chez ces gens-là pour les affaiblir et pour te renforcer. Donc regarde déjà dans ces équipes et après progressivement, bah, tu descends après sur de l'Inter Milan. Je te conseille pas forcément les latéraux droits de l'Inter Milan. Après, tu descends Atlético Madrid, Tottenham, Dortmund, Achraf Hakimi de Dortmund. Très intéressant. Très offensif, mais très intéressant. Latéral droit, cher et fort. Trent Arnold est le meilleur du jeu, info sûr. Meilleur latéral droit du jeu, info très très sûr. Après, faut fouiller. Fouiller. Faut fouiller. Ça sera pas forcément en France. Pas simple, hein? Pas simple. Mais je t'ai un petit peu arrondi les angles. Je peux pas t'aider beaucoup plus. Tandis que je connais pas encore trop dans FM les gros joueurs. Mais moi, c'est ce que je ferais, globalement. Je vois pas beaucoup de joueurs avec un 10, mais chez moi, Golovin marque beaucoup et participe beaucoup au jeu. Oui. Pas beaucoup de joueurs, pas beaucoup d'équipes ou pas beaucoup de joueurs. Pas beaucoup de tactique avec un 10, vous voulez dire Réforme Zagda? J'ai pas très bien compris. Bien comprendre et analyser les joueurs, qu'as-tu une dans à ce niveau-là? Ouais, bah je pense, ouais. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Lire les attributs, comprendre le jeu, imprégner les joueurs à tel ou autre. Imprégner, intégrer. Putain, là je commence vraiment à galérer, je suis désolé. Intégrer les joueurs à tel ou tel endroit, tel poste. Il serait capable? Je sais pas s'il aurait sa place. Ouais, même pas. Il est pas cher, mais bah non, pas du tout, pas du tout, Mezzala. Box to box. Le pire, c'est que ça. Il est même pas si mal en box to box. Il est si complexe. Ah, il a le volume de jeu en plus, c'est ça le pire. Après, MJRDF, ça doit être parfait. Ouais. Box to box, ça demande un peu de courage. Ouais. Je voyais plus joueur de fauteuil. Intéressant. Enfin, dicte son rythme, tente des passes de loin. Faut que ça soit un meneur de jeu. C'est évident. Peut-être en meneur de jeu soutien dans ma tactique, il serait pas dégueu. Moot et Don Diego de Piticella. Merci pour les follow les gars, bienvenue. Sais pas. Gros volume de jeu régulier, polyvalent. Il a l'agressivité du box-to-box pourtant. Le volume de jeu, pas de problème. Physiquement, je le pensais plus frêle, mais il est présent. Techniquement, il est au-dessus. Il est pas si mal en box-to-box, je sais pas. Peut-être le courage est gênant. Plus en meneur de jeu, c'est certain. Ça, c'est certain, certain, certain. Écoute, tu me déposes ton CV, on va le poser sur le bureau. On a tes coordonnées, on te rappelle. Toujours présent, Thiago Almada. Bref, on a dit qu'on allait au match de Udinese et on sauvegarde et Dodo. Je veux juste voir si j'ai ma fournée de régène avant aujourd'hui. Ça m'étonnerait.
M'étonnerait. Si vous voulez regarder des joueurs, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, je reste un petit peu, je rappelle. Mais c'est vrai que là, faut que je vais arrêter de jouer parce que je suis très fatigué. Moi, ah oui, si je suis le PSG, je mets tout. Moi, je mets mon PEL sur Trent Arnold. C'est. Franchement, Poups, c'est une bêta. Je sais pas si tu comptes faire toutes 35 saisons avec le PSG, mais moi, je mettrais le PEL sur Trent Arnold. Je mettrais vraiment tout l'argent sur. Tu t'investis sur. En fait, ce qu'il faut se. Faut penser comme un entraîneur, mais il faut aussi penser comme un chef d'entreprise. Il a 21 ans. Il est complet. C'est vraiment le meilleur latéral droit du monde. Peut-être actuellement dans l'arrêté. Oui, je pense que je peux le dire. J'affirme que c'est lui. Le meilleur arrière latéral droit du jeu, par conséquent. Il va encore un petit peu évoluer. T'investis une fois et pendant des années t'es plus emmerdé. Et puis pendant des longues années, parce que je pense pas que tu trouves un concurrent avant les premiers gros régènes. Et il faudra qu'il soit sacrément fort. Ça, c'est juste deux fois. Allez, je vais parler comme ça, c'est juste deux fois sa valeur. C'est rien. C'est vraiment un. Si il coûte vraiment 120 millions, vas-y. Hein. Enfin, moi perso, 120 millions, le Trent Arnold, je prends. Si je suis le PSG, hein. Je me fous pas endetté sur 70 ans si je suis un club en dessous, mais c'est le meilleur latéral du jeu. De latéral droit. Ah ouais? Tu joues avec Bordeaux, Antoine? Avec Camano? Ah ouais, j'ai pas vu. Là, je suis démon, là, je galère. Je galère un petit peu. Salut Rio, tu peux voir ce que fait Osimhen dans ta M. Bien sûr. On est au 7 mars, hein, pour information. Osimhen, il joue à Lille. Lille, c'est en France. Lille, c'est en France. Donc, on va prendre par Pjanic, Metz, historique, Lyon, ça marche aussi. Olympique, Lyon et Lille. Trié par notre moyenne. Alors déjà, ça c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, 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 c'est vraiment pas bon signe là par contre. Ouf. 6,76, c'est le meilleur buteur. Bon, meilleur buteur de Lille, mais 6,76 de moyenne, c'est crade. Il vient de connaître la blessure, c'est pas fou. Je mets un petit peu Lille. J'ai vu qu'il y avait Samuel Kalou, l'ex de Bordeaux, qui était là. Eriksen et Meunier. Voilà pour Osimhen. Eriksen et Meunier. Eriksen et Meunier. Poste, défenseur droit, Thomas Meunier blessé. Sinon, 31 matchs et ils le font jouer titu. Oui, en même temps, il mettrait qui à la place, Thomas? Eh bien, oui. Aucun transfert, à part Mitchell Backer. Eriksen, la flemme de cliquer. Oh non, vas-y, on fait comme ça, j'aime bien. Eriksen, on est à Tottenham, en Angleterre. Thomas Meunier, Belgique, sélection nationale. Toby Alderweireld, Tottenham. Christian. Oui, Florentino Luis de Benfica en box-to-box. Très bonne remarque, Chomo. Très très bonne remarque.
Dans Marseille, je l'ai acheté en joker en première. Ah, d'accord. T'as acheté Camano avec Marseille en joker. Il t'a mis 13 buts et là il vient de claquer un doublé contre le Real. C'est énorme. Ah, c'est génial. Tu le fais jouer en quoi, Antoine? Attaquant intérieur, en M, milieu offensif gauche, attaquant intérieur? Ouais. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Il veut pas venir. Il veut y avoir du monde sur lui. Je pense qu'il va. Il va attendre que tout le monde soit bien dessus avant de négocier le top du salaire. Pour peu qu'il. Après, il a même pas 28 ans. Enfin, il a même pas 29 ans, pardon. Est-ce que. Qu'est-ce qu'il va faire? Gros salaire en Chine ou gros salaire en Angleterre? Là, je suis désolé pour les bruits de bâillement. Ça va être l'heure de sauvegarder et d'aller faire un petit. Voilà, la Juve qui gagne face à l'Atalanta, ils sont trop forts. Ils marquent en 6 minutes de jeu, ils se prennent un expulsé pendant 75 minutes, 65 minutes. Ils s'en battent les couilles. La Fiorentina qui fait une super saison, principalement grâce à Chiesa. Et voilà, on sauvegarde. Et ça va être l'heure d'aller faire le gros dodo. Tout ma Twitch. Alors, je regardais rapidement Florentino Luis d'ailleurs. Ouais, attaquant intérieur gauche, mentalité attaque avec une tactique offensive. D'accord, Antoine. D'accord. Oh pardon, ouais, je vais couper. Je vais couper, les gars. Là, c'est vrai que ça tire. J'attends un petit peu. Et quelle heure? 3h10. Je vais regarder. Ouais, je suis le seul streamer français à cette heure-ci. Il y a un peu de. Il y a quoi? Du streamer portugais, streamer espagnol, streamer turc. Anglais, australien. Après, il y a Liam, l'anglais. Ok. Vous êtes encore. Non, c'est pas vrai. Attendez, vous êtes encore 45 sur le chat là? À 3h du matin, un dimanche soir de 4 novembre? Sérieux, les gars? Ça fait plaisir. Merci à tous. J'espère que. Bon. Je pense que déjà 25 d'entre vous se sont endormis. Mais merci à tous d'être là, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Il a été nerf un peu Jetson, non, Fernandez? Parce qu'il était beaucoup trop fort. Beaucoup trop trop fort. Là, les Portugais U20, ceux dont on parle beaucoup quand même. Une très très belle génération. J'ai pas vu ce qu'il donnait Leao. Physique. Gros trou dans les notes mentales. Ouh les gros trous là. Oh là là, 12 anticipations, 8 concentrations, 8 courage, 10 décisions. Où il a des très 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 gros coups. Des gros trous. Gros trous. Oh, c'est Florentino Luis qui est vraiment au-dessus. Hein. Très très fort. Muito forte.
Thierry, c'est pas très portugais comme prénom, ça. Si, si. Thierry. Je pensais qu'il avait double nationalité. Tiens, Diogo Dalot, il vient de quoi? Puis s'est pris un très sale nerf. Très très sale nerf. United s'est pris un sale nerf globalement. Vaut 21 millions, je sais pas. Eric Bailly qui vaut 14 millions. Putain. Oh ouais, par contre, ouais, tu peux pas aller plus loin. Ça sera pas un défenseur relanceur. Clairement. Clairement, DCS. Par contre, 10 en décision, 8 en concentration. C'est ce qui fait qu'il est vraiment pas fort. Ça, c'est très dangereux là. Il a zéro match. Ah, mais ils l'ont vraiment mis dans le loft. D'accord. Putain, c'est violent. Il rend pas fou, hein. Merci, Milan Istacro. Parce que il a des trous mentaux, on va appeler ça comme ça. Qui fait que il est quand même pas. Il y a des choses qui me gênent. Physiquement, il est monstrueux, mais il a des notes mentales. Ça fait des trop gros creux pour que ça soit un joueur qui soit bon. Tous drogués à FM, c'est ça. T'as vendu à ma vie au Real? Putain la vache. Beaucoup de nonchalance IRL quand il était à Lille, Léao. Quand même un signe, des signes de ce qu'il allait potentiellement mériter en note mentale dans FM, cette nonchalance peut-être. Tu l'as pris gratos à Marseille, Damon Kane? Alors pour la Ligue 1, je dis pas, parce que le niveau actuel doit être fort. Mais attention aux erreurs de décision. Les problèmes de notes de décision, tu peux pas le mettre. Tu peux presque. En fait, le problème, c'est que tu ne peux presque pas le mettre en défenseur central. Ouais, non, c'est. Ouais, ça se voit. En strict, t'es pas emmerdé. Et encore, là, de 8 en concentration, moi, ça me fait flipper. Pour un défenseur central, il peut rattraper ses erreurs aussi grâce à son physique, son anticipation. Mais en fait, la note de décision et concentration, pour moi, dans FM, c'est la note d'intelligence, en fait. S'il devait y avoir une note intelligence, chacun définit l'intelligence comme il veut. Je pense que quand je vous parle comme ça de intelligence, vous comprenez à peu près ce que je veux dire dans Football Manager. Mais je trouve que là, 10 et 8 pour un mec qui veut jouer dans des clubs comme Manchester United. Bon, sa note en blessure doit être très forte, mais bon, je pense que. Ça, malheureusement, ça fait mal. Ligament du genou, rupture des ligaments de la cheville. Ah oui, genou, cheville, genou, cuisse, épaule, ischio. Ah oui, il a pu. Oh, ah, il en quitte. Oh, Matic. Allez, son 8e de BPL. Toto Martial. Donc il voit vraiment Toto Martial comme un gros flemmard, vu la note en déterré en volume de jeu. Attaquant intérieur, vraiment. 15 finitions. Réalis. Encore une fois, c'est juste. Hein.
Manchester United s'est pris un assez gros nerf. De toute façon, le seul qui en doit valoir le coup, c'est vraiment lui. Intéressant. Intéressant. Huitième de BPL, le premier c'est City. City, Arsenal, Liverpool. Ouais, Watford. Bon, apparemment, Watford, c'est pas que dans ma partie qu'ils sont forts, de ce que j'ai entendu. De ce que j'ai entendu sur le Discord. Donc, je pense que. Est-ce que vous auriez pas un petit peu craqué Watford là sur tous vos joueurs Merde, pardon. Ouais, il est pas foufou. Hein. Mykolenko, par contre, c'est pas mal. Si ça évolue un petit peu, c'est pas mal. Gros volume de jeu, grosse endurance. Note en décision pas top, mais 14 en concentration, 15 en courage. Plutôt latéral plutôt fort défensivement. Sur le travail def, il doit être très très fort. Gros QPN, grosse vitesse. C'est bien lui. C'est pas mal. Pardon? Attendez. J'ai un bug là. J'ai un bug parce que je vois ce joueur qui est vendu 14 millions d'euros là. Attendez. Mes lunettes? Je fais des hallucinations. Attendez. Je fais des hallucinations là. Je suis très fatigué. Hein. Mais il est 3 h du matin. Et là, je crois voir que c'est. On vient de me montrer que ce joueur s'est vendu 14 millions. Qu'est-ce que. Comment? Parce que je suis à 2 doigts de créer une partie en Angleterre, là, qu'on se le dise. Parce que ça, si c'est 14 millions, moi, je vais me régaler. Ouais, en vrai, je suis foncé. Je suis défoncé de fatigue. What? Bon, bah, c'est un bug, étant donné qu'en plus, il va jouer seulement U18 de Brighton. Après, si Brighton est tellement blindé d'argent. On dirait du vraiment. En fait, on dirait vraiment du football de corruption, tu sais. Vas-y. On fait passer ça dans un petit jeune de 17 ans, là. Vas-y, passez ça. Yes. C'est pas très discret, quand même. On est sur du blanchiment, totalement. Hors compétition, 6,62 de moyenne. Ok. Éliminatoire de l'UEFA. U19 championnat d'Europe. Avec l'équipe nationale, du coup. Donc, il est bon qu'avec l'équipe nationale. Et l'Écosse a joué en éliminatoire. Ce match-là, peut-être? J'ai pas accès. Ah, bref. Pas foufou, quoi. Ouais. Bon. Eh bien, mes chers 35 spectateurs restants, qui en plus participent dans un chat. On est le dimanche 4 novembre 2019, il est 3 h 21 du matin. Et vous êtes toujours là à participer dans un chat d'un streamer français de Football Manager. Vous êtes incroyable. Ah ouais, profitez-en. Là, Germain, c'est 180 millions maintenant. Mais merci à tous. Merci à tous pour ce soir. J'ai streamé pas mal de temps, encore une fois. Même en ayant eu la coupure. Là, c'est 50 minutes et je crois que j'avais 4 heures, un peu plus de 4 heures sur la précédente diffusion. Donc, c'est cool. Vous répondez beaucoup en ce moment. C'est normal. C'est les débuts de FM. D'ici 3-4 mois, ça va beaucoup réduire. Mais c'est pas grave.
Ça permet d'agrandir un petit peu le public et de passer un peu plus de bons moments à un peu plus. Donc c'est cool. Vous êtes toujours comme d'habitude, même s'il y a beaucoup de gens nouveaux, dans le même état d'esprit que ceux qui sont là depuis très longtemps. Donc c'est très très agréable. Ça fait plaisir. Tant qu'on récupère pas trop trop de gens de la communauté FIFA, ça ira bien, globalement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on aura sur le prochain stream? Est-ce qu'on ne serait pas... 1, 2, hop, pardon. Ça descend par ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 matchs. Il me restera 13 matchs à faire lors du prochain stream. Ça sera peut-être le. On pourra peut-être presque finir la saison du coup. Ça c'est cool. Donc on fera ça sur le prochain stream. Demain, je sais pas, ça peut être demain. Pas demain soir, je travaille. Pas mardi midi, je travaille. Mardi soir potentiel, je ne travaille pas mardi soir, ni mercredi, ni jeudi. Là, j'ai une. Fou l'événement, c'est que de l'événementiel, donc ça va être le ponctuel. Mais c'est plutôt fin novembre où je travaille. J'ai quatre événements en une semaine, je crois. Là, le début novembre est très bien pour moi. Donc, voilà. Je travaille vendredi midi et vendredi soir, d'ailleurs, cette semaine. Voilà. Donc, c'est bien. Volontairement, je peux me permettre de pas trop travailler. Donc, je vais en profiter pour pas trop travailler, jouer à FM. Donc, ça, c'est cool. Donc voilà les gars, vous savez à peu près tout. Je vais aller faire un gros dodo, je suis fatigué. L'année dernière, pour FM19, je streamais à peu près 4 fois par semaine, jusqu'à la fin de saison de FM19, jusqu'au mois de mai à peu près. De janvier à mai, je streamais 3-4 fois par semaine. Après, je peux vraiment pas streamer beaucoup plus, étant donné que je suis papa en garde alternée, puis je suis chef d'entreprise. J'adore dire ça. Je suis chef d'entreprise et papa en garde alternée. Et je suis chef de ma propre entreprise, donc forcément, je fais la compta, la vaisselle, la cuisine. Je fais tout dans mon camion, donc forcément, je délègue rien. Et ça prend beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps pour la vie sociale. Voilà les gars. Mais n'hésitez pas si vous avez des Twitch Prime qui traînent. À soutenir un jeune chef d'entreprise et un jeune papa. Ça paiera des vêtements pour la petite au moins. C'est cool. Mardi soir, après potentiellement Jomo, ça risque de grave le faire. Parce que c'est souvent comme ça que j'ai les pulsions de jouer FM. Je stream jamais pendant les matchs de Ligue des Champions. Ce soir, j'ai vraiment streamé parce que je me suis endormi devant Saint-Étienne Monaco. Je me suis dit, bon, bah là c'est foutu, hein, autant aller streamer. Mais non, le mardi, mercredi, s'il y a match de Ligue des Champions, c'est forcément après et jamais pendant. Donc ça sera des streams un peu nocturnes comme là, jusqu'à 2h du mat, 2h, 2h30. Là, il est un peu plus tard. Je suis racheté l'entreprise pour plus de live. Ah yes, bah là c'est un peu plus de. C'est un peu plus qu'un sub d'un Twitch Prime, Demon Kane maintenant. Voilà les gars. Je vais aller me coucher, je ne sais pas si vous allez faire pareil, mais dans tous les cas, bah, bonne soirée. Bon jeu à tous ceux qui vont un petit peu continuer. Plein de bonnes choses. J'en profite, bon, comme d'habitude, parce que vous êtes vraiment beaucoup de follow encore aujourd'hui. Comme d'habitude, vous avez le Discord qui apparaît actuellement dans le chat. Comme d'habitude, point d'exclamation pub, vous avez accès à mes réseaux sociaux, vous allez avoir la page Twitter où j'annonce mes lives et où je tweet des conneries sur Football Manager principalement et du foot. Je fais pas autre chose, je suis pas le mec relou de TATL qui raconte sa vie ou qui retweet des trucs politiques. Si vous voulez me suivre sur Twitter, ça sera des trucs par rapport à mon blog ou par rapport au football, des stats sur le football ou des trucs sur FM. Je suis pas un mec relou de Twitter. Vous pouvez y aller. YouTube, c'est ma chaîne où il y a 95% de replay des streams. Je les exporte en fait juste après le stream. Et voilà, et puis pour ceux qui me découvrent encore une fois, vous avez également l'adresse de mon blog que j'ai depuis
Eh bien, en janvier 2020, ça fera 4 ans. Le blog juste un dernier match.wordpress.com. Je suis pas allé voir mes stats. Tiens, il y a Don Diego de Pitiche, là, j'avais dit merci. On va aller voir un peu les stats du blog. On continue de se la raconter. Ça fait du bien. Booster un peu son ego. Octobre 2019, j'ai fait combien? Même quand je bloguais plus, août 2019, j'ai fait 4000 visiteurs. Ça s'est baissé après. Bon, là, c'est la fin de FM19, 2800 visiteurs et 2500 visiteurs pour le mois de octobre. C'est cool. Ça va se repartir un peu et dès que je remettrai la prochaine transcription tactique, pardon, ça va repousser un peu, ça va remonter un peu pour faire du 8000, 9000 quand je suis au top. Donc voilà, tout va bien. Voilà. Je vous souhaite une très belle nuit. Prenez soin de vous. Reposez-vous bien, c'est important le sommeil. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et on se dit sûrement demain. Un petit stream d'après-midi. Ça, c'est mon pronostic. Ça risque d'être ça. Et après, ça sera du mardi soir après la Ligue des Champions. C'est les deux créneaux que je vais sûrement prendre dans les deux prochains jours. Les jours du mois, oui, il faudrait ça aussi. Ouais. Les gars, bonne soirée, bonne nuit. Merci beaucoup. Merci, merci, merci pour vos nombreux soutiens, follow, donations, tout ça, sub. Merci à tous. Bonne nuit et à demain. Ciao!